Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce dixième live sur, euh, sur la chaîne Barbatronique euh, alors euh, une nouvelle fois sur Twitch euh, alors ce, ce coup-ci j'avais réussi à prévenir les gens un petit peu plus tôt euh, que je démarrais mon live c'est toujours un petit peu mon problème je décide toujours un petit peu à la dernière minute euh, donc euh, j'espère que euh, ceux qui ont été prévenus pourront être là et aujourd'hui de quoi on parle pour entrer dans le vif du sujet parce qu'on a pas mal de choses euh, à faire à essayer déjà Première chose, j'ai reçu, pour ceux qui suivent sur Twitter, des PCB. Et c'est des PCB qui vont me permettre de piloter des pompes. Euh, alors du coup, j'en eh ai soudé une, qui est ici. Voilà. Et du coup, je n'ai pas encore terminé. Donc l'idée c'est de terminer. Euh, la soudure, de faire les tests unitaires, euh, de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et puis de voir bah, si mon idée euh, fonctionne et si euh, bah, en fait on peut l'améliorer. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que ceux qui m'ont suivi en live savent que ça fait plusieurs fois qu'on travaille sur notre mat-balise pour le robot de la Coupe de France de robotique qui est derrière moi. Et du coup bah, euh, moi j'en ai, euh, ai fait un proto euh, en, en acrylique. Et l'idée, bah, c'est qu'il est ici et qu'on revienne un petit peu dessus, que je vous explique ce qui a marché, ce qui a moyennement marché, ce qu'on pourrait améliorer. Enfin bref, voilà, la vie d'un proto, quoi. Donc, c'est parti. Donc, contrairement au dernier live où j'ai été beaucoup sur ordinateur, et eh ben là, ce coup-ci, on va très rapidement passer sur la partie soudure et la partie essai. Euh, de l'atelier, justement parce que bah, j'ai encore un peu de boulot euh, à faire dessus et puis il euh, faut que je le teste. Salut Alex, salut King. Alors, par contre, comme j'ai changé mon setup, on va voir si ça fonctionne bien. Donc je ne sais pas si vous allez m'entendre correctement, on verra bien. Euh, alors, petite carte pour euh, les pompes. Alors, l'idée c'est que on a. Salut Caméral, euh, on a des pompes. Sur nos robots, qui sont ces, euh, ces petites pompes euh, là, avec euh, une sortie et une entrée d'air, et l'idée, ce sont des pompes à vide, et ça nous permet de faire le vide pour pouvoir euh, bah, utiliser des ventouses et ventouser des objets. Euh, donc, c'est des euh, ventouses qu'on retrouve en fait sur l'avant de nos robots euh, de l'année dernière. Voilà, ici. Et avant ces pompes, alors ça va être difficile de vous montrer, mais euh, c'est euh, à l'intérieur, en, euh, en haut du Rambo. voilà, et ben euh, elles étaient pilotées par un driver de moteur, et c'était un peu... Bon, euh, j'avais fait ça un peu à l'arrache et j'avais envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus intégré. Surtout que avec cette pompe arrive une électrovanne ici, qui permet en fait de relâcher euh, la pression. Euh, et du coup, de relâcher en fait l'objet quand il est ventousé. Parce il y a toujours un peu de, de reste de vide euh, dans, quand on ventouse un objet, et si on veut qu'il s'enlève se, bah, euh, beaucoup plus rapidement, et eh ben euh, on va venir euh, faire une mise à l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le circuit d'air avec cette électrovanne, et ça va permettre de lâcher l'objet. Voilà, je vais prendre un petit crayon parce que je vais peut-être avoir besoin de vous faire des, des petits dessins. Waouh, hop! voilà donc avant on avait une grosse carte et c'était pas très pratique et du coup je me suis dit bah tiens comment est-ce qu'on peut intégrer ça et donc j'ai fait ce premier proto de carte voilà donc non soudé et soudé voilà et euh, Alex j'aime beaucoup la diode traversant travers CMS <laughs> c'est un nouveau boîtier c'est le travers CMS c'est quand t'as pas de CMS tu fais un faux euh, traversant CMS <laughs> j'avais pas de diode enfin j'avais plus de diode euh, en CMS, et donc bah, j'ai bricolé un petit truc avec une diode traversante. On verra si ça fonctionne. Bon, a priori, euh, voilà, ça, sur le principe, ça marche. Et donc, du coup, ce PCB, l'idée ce serait hop, après de venir le souder directement sur le moteur, comme ça à l'arrière, et du coup, de tout intégrer en fait sur le moteur. Voilà, ça c'est l'idée. Faut juste pas se tromper de sens, effectivement. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il y a tellement de raisons que ça marche pas. <laughs> Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, euh, c'est que je vais quand même tester euh, le fonctionnement avec une alim, etc. avant de le brancher sur euh, la ventouse et euh, sur euh, l'électrovanne. Euh, il me reste un connecteur euh, à, à souder. Donc, euh, ben, c'est parti. On va se, déjà se souder ça. Il euh, faut que je cherche un connecteur. encore des connecteurs ah, j'ai ce qu'il faut en connecteur donc voilà l'idée c'est qu'après hop plus que ce connecteur là à mettre sur la carte et c'est terminé en théorie on verra ce que ça donne Alors mon fer est chaud. Hop, voilà. On va prendre On faire à souder. T'as la mesure du courant sur la carte. Alors non celle-ci, c'est une carte un peu particulière. C'est euh, ben, vous avez peut-être vu, j'ai euh, fait une, une carte, euh, pareil ceux qui me suivent sur Twitter le, le, le savent. Euh, j'ai fait un autre proto de cette carte là avec des LED et je voulais intégrer également une mesure de courant pour savoir quand est-ce que le, euh, et ben en fait le, le la pompe était en prise et donc du coup quand est-ce qu'a priori on était en prise avec un objet et quand est-ce que l'objet était lâché pour vérifier que j'avais n'avais pas perdu l'objet en route euh, je voulais faire ça avec un capteur de courant, donc il y a eu un peu de débat là sur Internet pour savoir si c'était efficace ou pas. Euh, et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, dans un premier temps, j'ai d'abord fait une version de la carte euh, vraiment très épurée, c'est-à-dire qu'il y a zéro LED, il y a, euh, LED, euh, y a euh, juste ce qu'il faut, c'est-à-dire euh, les MOSFET deux transistors, euh, euh, diodes et quatre LED. Voilà, donc c'est vraiment vraiment le plus, la carte la plus simple euh, possible, justement pour commencer à faire des essais et puis euh, voir un petit peu comment bah, si tout fonctionne bien, si j'ai pas oublié des trucs, euh, s'il y a pas des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Puis ça m'a permis de tester aussi euh, un nouveau fournisseur, c'est que j'avais jamais testé euh, JLCPCB. Euh, généralement, je fais mes cartes chez euh, Sins et, euh, et puis là, en fait, j'avais envie de tester JLC pour voir un peu ce que ça donnait euh, et puis voir un petit peu si c'était la même qualité et en fait. Euh, globalement, je me rends compte que c'est exactement le même fournisseur, euh, c'est même quasiment le même site, quoi. Donc, euh, même temps, même délai, euh, même problématique, même point, même bon point, même mauvais point, enfin, bref, c'est exactement la même chose. Donc, bon, je pense que moi, je vais rester chez site, parce que euh, ils nous avaient sponsorisé l'année dernière et que euh, j'ai envie qu'ils nous sponsorisent cette année aussi, et que ça, je les utilise en tant que pro, mais euh, finalement, le 2 euh, voilà, pas de différence, quoi. Alex, euh, qui me dit du coup, j'ai pas regardé le schématique de la carte, mais comment fonctionne l'interface entre la lime et la lime vers l'électrovanne euh, euh, MOSFET type N, euh, regarde, je l'ai encore là. C'est vraiment très simple, un connecteur euh, 4 points, 5 volts, masse, euh, une broche pour la pompe, une broche pour lever, hop, et, euh, et puis on passe euh, dans euh, le moteur, la vanne. Le MOSFET de résistance, le truc le plus simple. Voilà. Hop. Ça ne vaudrait pas le coup. Dans les prochaines versions, il risque d'y avoir plus de fils de partir sur un connecteur type JST au pas de 2 mm. Euh, ben je sais pas, encore j'y ai pensé. Mais c'est pour ça que je voulais déjà avoir la carte en main pour voir un peu ce que ça donnait. Euh, oh, salut Audran. <laughs> T'as réussi à sortir du boulot ce coup-ci. Alors... Euh, c'est la grosse blague. Euh, mais... <laughs> Donc maintenant, eh ben, écoutez, euh, maintenant que c'est fait, on va, euh, eh ben, on va brancher tout ça, on va essayer. Hein. Donc euh, j'ai euh, retrouvé un connecteur avec des fils et je suis assez content. Par contre, le sens des, euh, des couleurs n'est pas le bon. Oula, puis ça a l'air d'être un peu le dawa. Donc on va modifier ça pour éviter... Voilà, une erreur. Hop là. Un petit tournevis. Hop là. Euh, voilà, et puis du coup après on branchera ça sur une allumée stabilisée, et puis c'est parti. Au risque d'être un peu à la ramasse, tu pourrais m'expliquer en deux phrases ce qu'est-ce que fait cette carte? voilà bon, tu, tu, tu vas te foutre de moi. Euh, <laughs> c'est la petite carte, je sais pas si tu avais vu sur Twitter, qui pilote les. Euh, les qui doit piloter les pompes. Euh, Nos pompes à vide. Voilà, l'idée c'est de hop. Finir fixer ça au cul de la pompe. Et d'avoir directement euh, les MOSFET qui pilote à la fois euh, la pompe et le V sur la même carte. Et au cul du moteur. Voilà. Salut Romain. Salut le roboticien. <laughs> voilà. Donc c'est vraiment euh, vraiment très simple. Hein. Euh, comme je disais, j'ai vraiment. Euh, ça c'est le, le, le premier proto que j'ai fait avec juste euh, deux mosfet et euh, <laughs> je t'en prends quatre. <laughs> bah écoute le projet sur GitHub si tu veux. Euh, ou sinon j'en ai quatre là. Euh, c'est vraiment la, 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 la version la plus simple sans les LED euh, sans euh, le capteur de courant rien du tout le truc le plus basique de chez basique je vais tellement enfin. faire euh, pour tester ça ce soir et puis ouais j'avais pas de diodes donc j'ai mis des comme disait Alex des, euh, des diodes de travers CMS voilà <laughs> euh, tu prends ton, une traversant et hop CMS ouais euh, CVR ils ont décidé d'ouvrir un bar euh, après, euh, après la coupe ils ont ouvert euh, <laughs> ils ont commandé 18 millions de cocupes. Hop Je sais pas si j'ai encore la, la photo sur... Euh, pour vous montrer. Voilà, allez c'est bon, je l'ai. Ouais. <laughs> Cette forêt des cocups. De rien Alph. Bon, allez on revient sur notre... Alors, par contre, il faut que je regarde quand même mon schéma, que je ne dise pas de bêtises. Donc, le 5 volts est de ce côté-là. OK. Le gars qui connaît bien sa carte, quoi. Allez. Donc, hop, j'ai le 5 volts qui va être de ce côté-là et la masse carrément de l'autre côté. Et puis, mes deux fils de signaux, là où là voilà. C'est commandes commune avec plusieurs équipes suisses. Il y a combien d'équipes là dans ta commande là Ça me l'a l'air énorme. Salut Jonathan. Allez, c'est parti. Voilà. Et hop oh Impeccable. Donc maintenant j'ai un beau connecteur. <laughs> ouais, c'est ça. Toute la Suisse, euh, toute la Suisse était là sur cette commande. Et j'ai une alim et mes deux signaux ici. Donc voilà. Alors c'est pratique la la GoPro mais elle est un peu haute. Euh, il faut vraiment que je trouve une autre un autre pieds, parce que pour en rapprocher un petit peu. Ah oui, tu commandes pour la coupe de Suisse aussi effectivement. Ouais. Là ça va commencer à faire beaucoup. Ouais. Alors donc maintenant j'ai des pinces croco. Euh, j'ai. Oh j'ai pas les pinces. Oh va falloir que j'aille chercher ça. Euh, dans mon sac est-ce que j'ai oublié des ce propos pour ma, mon alime je vais avoir besoin de quelques câbles alors, alors une breadboard ça c'est bon peut-être avoir un souci de jumper. Je vais juste faire une alim. Ah, est-ce que là, c'est temps hum. Hum. Comment vais-je faire Bon, je vais peut-être faire ça autrement. Alors, faut que je me connecte sur l'alim. ce coup ci bien préparé tout mon matos alors j'ai mes connecteurs j'ai un petit peu de ça je vais chercher les autres connecteurs j'arrive Hop, voilà, c'était l'abandon du, du, du live. Ok, j'ai mes connecteurs coco. Ici, c'est le C. Alors, hop, on va se brancher une petite pince coco sur la lime. Voilà, bon, là, c'est le setup pas ultra intéressant de toute façon il faut le faire alors est ce que je fais ça en mode euh, en mode hardcore euh, est ce que je peux m'accrocher avec ça bon allez On branche la masse. Elles sont pas beaucoup trop isolées. T'es es sorti d'alim de labo. mais' Là C'est conceptuel. Ah, écoute. En fait, là, J'avoue que c'est même pas... C'est une sortie que j'ai piqué au boulot le temps du live. Parce que j'ai pas d'alime chez moi. Il y a un grand grand mob quand tu fais de l'électronique. Si, non, j'avais une alim qui a malheureusement rendu lavre Et du coup, je me retrouve sans, sans alim fixe. <laughs> Et c'est plutôt chiant. Et donc du coup, j'ai plus rien. Et donc c'est très très relou. Mais bon, c'est pas grave on va faire ça comme on peut en fait je pensais pas que les cartes allaient arriver euh, comment euh, ce jour-là euh, je pensais vraiment les recevoir la semaine prochaine et donc d'avoir le temps de préparer et surtout de recevoir mes composants parce que du coup j'avais commandé des composants mais euh, ben bah non du coup j'ai rien reçu enfin si j'ai reçu les cartes mais j'ai pas reçu les composants ce qui est vraiment un problème mais bon bref que tu les utilises pas sur une sortie lipo à la coupe à 3h du matin. Alors figure-toi que euh, sur cette chaîne quand même dans ce live, nous avons fait des essais avec euh, des euh, des alim de, avec des lipos en tant qu'alimes voilà, j'en suis pas très fier euh, mais euh, bon ça a marché quand même alors, hop, je me mets sur 5 volts, 1A dans le pire des cas ça fait de la soudure, ouais ouais, ouais Toc toc toc. Bon, bah écoutez. C'est mis, c'est mis le plus, le moins. Allez, go. Bon, il se passe à rien. C'est logique. Hop. Alors, euh, je vais vérifier 2-3 tensions. Et là, je suis à 5. Et là, normalement, je devrais rien avoir. Et j'ai effectivement rien du tout. Ça, c'est logique. Et là, je ne devrais rien avoir. Je n'ai rien du tout. C'est logique aussi. Alors là du coup, ça marche, salut Alex. Euh, là du coup, je viens juste de vérifier euh, que euh, ma carte était bien alimentée, qu'il n'y avait pas de soucis, et qu'a priori, j'avais bien euh, des niveaux de tension là où je devais avoir des niveaux de tension. Donc là je suis plutôt content. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bah, alimenter une de euh, un de mes euh, un de mes MOSFET puis voir ce qu'il y a en sortie donc qu'est-ce que je vais alimenter je vais alimenter ben, je vais alimenter ma pompe parce que c'est le truc le plus simple à tester donc c'est le fil orange vous voyez pas beaucoup ça j'essaierai d'améliorer ça pour le prochain euh, euh, prochain euh, live donc c'est le fil orange qui est ici et puis ben, je vais le mettre tout simplement euh, au niveau sur du 5 volts par contre j'ai pas les câbles qu'il faut alors à la recherche du câble. Bon, alors, je sais pas, <laughs> je sais pas ce que j'ai fait de, mes, euh, de tous mes câbles, mais du coup, je suis un petit peu embêté donc on va faire ça au croco, même si c'est pas la folie. Donc, hop, un petit croco ici, un niveau haut. Là, et donc en théorie, ça ne fume pas. Ce qui est plutôt généralement un signe que la fumée est encore à l'intérieur et donc que le composant fonctionne. Et j'ai bien du 5 volts en sortie. Donc du coup, je commande bien mon MOSFET. Bon, hop, on va rééteindre. On va faire la même chose avec le V. Hop. ici et ici. Et j'ai bien du 5 volts en sortie, donc j'alimente bien mon 9. Hop, donc là je suis plutôt bien mis, pas trop mal. Alors, Alf, que dit-il Ça me rappelle la première mise en route de ma toute première carte électronique que voté à l'école. C'était pas dans ma tête à l'époque. Ah ouais, en général. En fait, tu apprends ça de la pire des manières. apprends ça quand quand ça marche pas. Voilà. <laughs> Et euh, effectivement, euh, c'est euh, souvent comme ça que ça se passe. Du coup, quand je l'ai amené en route, je me au pire, bien c'est comme il faut. Du coup, je vais enfin branché, J'ai sursauté sauté quand il y a eu une vive lumière rouge. C'était mon anime dont je oublié l'existence. <laughs> Et ouais. Ah non, mais ça, c'est. Euh, ça, c'est toujours un. Euh, un grand moment les premières cartes électroniques. Moi, je me souviens plus trop de ma première carte électronique. Euh... En fait, je me souviens plus... si je me souviens de, de mes premières cartes électroniques, mais surtout je me souviens de mon mon, mon collègue qui était sur la paillasse à côté et qui, euh, qui avait fait un circuit à base de euh, NE555. Et, euh, et son NE euh, euh, gonflait. C'est-à-dire que systématiquement quand il alimentait, ça gonflait, ça sautait, ça fumait. Alors ça, ça fonctionnait genre 10 secondes et après voilà, plus rien. Et euh, même pas 10 secondes quoi. Il en a grillé genre 5 ou 6 avant que je lui dise mais t'as regardé les niveaux de tension Et il m'a dit bah ouais, je suis en 12 volts. Les hum. 555 en 12 volts, bah bizarrement ça apprécie moyen. Et donc euh, c'était assez drôle. c'est ce souvenir-là qui a pris la place sur, euh, sur le fait que ma carte ait fonctionné. Bon, en fait elle a fonctionné, c'était un, un montage à base de L298 pour un petit robot. Euh... Alors, première vraie carte que j'ai routée, hein, pas les premières cartes que j'ai soudées, parce que on fait d'autres trucs en techno. Je vais... Ah, et puis j'ai pas de j'ai pas de connecteur, je vais quand même tester un petit truc là. Bon, tant pis, on va le couper. Hop, on va le dénuder. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas mis de connecteur sur cette carte pour le lever, bon, c'est pas grave, je vais la souder directement dessus. De toute façon, j'avais un peu prévu que ce serait comme ça que ça se passerait parce que j'ai pas beaucoup de place sur cette carte et mon connecteur me prend déjà beaucoup de place. Alors, peut-être sur la version finale, je truanderai pour pouvoir avoir quand même un connecteur, ce qui serait pas trop mal quand même. On verra bien, ou bon, un petit connecteur. C'est ton, euh, ouais, ton côté nostalgique, ça tu gardes, tu gardes tes trophées. Et c'était quoi ton CI que as cramé Comme type de CI Alors il y a deux questions. C'est pourquoi tu l'as cramé. Ce qui est intéressant. Parce que du coup si ça te sert de leçon, peut-être que ça peut apprendre aux autres aussi. Et qu'est-ce que c'était comme CI Ouais, en plus c'est pas le genre de truc qui crame souvent, donc je pense qu'effectivement, euh, disons que ça m'a pas trop trop fait mal au cœur quand je me suis dit euh, tiens je peux pas intégrer de, de connecteur quoi, euh, ça a été, je m'en suis euh, je, je, je m'en suis remis, voilà. Euh... Est-ce que j'aurais pas fait une connerie Non c'est bon. Alors hop. Ouais, c'est ça que j'ai peut-être pas bien prévu. Ouf, ah non en fait si si carrément par rapport au fil mes, mes pistes elles sont mes, mes, mes trous sont tellement larges. Je préfère faire passer un connecteur, euh, des, 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 euh, des... comment dire Des, des pattes de connecteur non directement. Des, des trucs comme ça quoi. Donc euh, ça va, je crois que je suis à 0,8. Ok. Bon on va refaire un essai. Donc là en théorie, j'alimente, il devrait se passer quelque chose. <laughs> Et c'est en général là. Peut... Oh là non, 12 volts 5A, 5 non absolument pas. Ah, j'ai entendu un truc. Ah ouais je le vois bouger. Alors vous le voyez pas bouger mais parce que c'est un micro 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 aimant là. Hein qui bouge à l'intérieur et ça fonctionne et je vois parce que ça consomme 424 milliampères bon super bon alors mon électrovanne fonctionne je suis content ok et ben maintenant alors hum, sur la table après contact avec le fer mais juste qu'une petite tape du pcd sur la table après contact avec le fer oh, j'ai pas compris euh, ce que tu veux dire non, là une petite tape ah oui genre comme ça pour pouvoir le l'enlever non attends bon je te laisse euh, me réexpliquer après <laughs> euh, alors ceci en théorie n'a pas de sens et je vais quand même voilà. Alors, il est venu le temps, le temps de monter un ST... Une... Ah d'accord, un a ça marche. Il est venu le temps de monter ça sur les pompes. Alors le souci, euh, c'est que j'ai pas envie que ça fasse de faux contacts parce que euh, ça c'est en métal quand même. Donc ce que je vais faire, ah, j'ai pas de j'ai pas le scotch que je voudrais. Mais je vais le souder avec euh, un... Je vais essayer de voir si j'ai pas un morceau de carton. Bah j'ai pas de capton justement, c'est ce que je cherchais. Ah Attends. Non, j'ai pas de capnon, mais euh, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un, un morceau de, de carton <laughs> et, euh, et je vais me faire un, je vais me faire un, un machin pour être sûr que ça touche pas. Ou alors je le fais. Oh, je vais le faire. À, je vais le faire à la one again. Ça va le faire. Il y a un petit plein j'avais mesuré, en théorie ça passe. C'est voilà, c'est le en théorie qui me, qui me fait toujours un peu peur. Hop, on va le faire avec un tout petit peu d'étain. juste l'accrocher ce qu'il faut. Voilà, oh, les trous sont tellement tellement larges. J'avais prévu pour. J'avais prévu des pastilles gigantesques. En fait ce qu'il faudrait que je prévoie c'est que de trouver un matériau en euh, un genre d'acrylique de 1 mm d'épaisseur euh, que je vais découper au laser et qui me servira en fait de, de pièce pour mettre en dessous lorsque je souderai mes... Les cartes finales. Ok. Ah Ah Mais alors, ça me rassure que tu aies cette technique-là, parce que la dernière fois que je l'ai montré à quelqu'un, il m'a dit non mais c'est pas legit, euh, personne fait ça, etc. Mais en fait, c'est une technique que j'utilise assez souvent, cette technique pour dessouder des, des composants et enlever le... le comment dire L'étain. Parce que du coup, l'étain reste encore un tout petit peu chaud, et hop, le truc part, et c'est vraiment hyper efficace. Alors, pour expliquer aux gens, quand même, c'est... Euh, parce que là, c'est peut-être un petit peu... Bah ça n'a pas tenu, forcément. Euh, c'est genre, vous voulez dessouder un truc, euh, et puis euh, dans votre, euh, le trou de la pastille, il reste toujours un petit peu, euh, peu d'étain. Bah l'idée, c'est... On le chauffe, on chauffe l'étain, on remet, moi je remets même un peu d'étain pour avoir aussi un peu de flux, et hop, on tape comme ça dessus, dans la direction. Euh, et, euh, et en fait, ça a pour, pour, pour le principe d'éjecter en fait l'étain du trou. Et ça fonctionne, mais c'est tellement efficace quand on connaît cette technique là. Et, euh, et je pensais être le seul à l'utiliser, donc je suis assez content. Voilà. <laughs> Bon, allez, on va essayer de se souder ça, là. Et là, pour le coup, on parlait de grosse quantités d'étain. Et ben là... Ah ouais, non, mais ça, c'est une solution. Je, je la montre en formation de temps en temps. Et, euh, et les gens n'osent pas l'utiliser comme s'ils si n'avaient pas le droit. Et je leur dis, mais si, attendez, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne pas euh, partout, mais c'est quand même hyper efficace, quoi. Bon ça me rassure, je suis pas le seul cinglé à, à faire ça. Voilà. Voilà, bon, note pour plus tard, les pastilles sont rondes. Pour des sourdures sur des encoches comme ça, c'est vraiment pas une bonne idée. j'avais inversé la polarité du CI. Aïe Bon, un grand classique après. Bon, je suis pas hyper satisfait de mon, ma soudure là. Je vais essayer de vous montrer ça. Tu aurais dû étamer la pète... Bah ouais, je me rends compte maintenant. c'est quoi je peux encore l'enlever hein. non je peux plus vraiment l'enlever en fait <laughs> il a plus de flux il a plus de flux. On a de flux dessus. le problème c'est que je suis pas en contact ah voilà là je suis content là ça marche ouf ok donc voilà c'est pas le truc le plus propre que j'ai fait mais voilà la prochaine fois Ici vous voyez, il y a un peu de jeu là. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais usiner une plaque de plastique spécifique justement là-dessus. Et ce sera un peu mieux. Bon par contre... Euh, allez. On va essayer. Donc, on va juste inverser. Voilà. Ça, on allume. On est sur 5 volts. Oui. Alors le truc c'est que vous entendez peut-être pas, mais j'essaie de Ah non, ne pas faire trop contact. Hey pompa <laughs> Ah, je suis content. Je suis content. C'est très con hein, comme circuit. Hein. C'est vraiment deux MOSFET euh, quatre résistances, mais ah là, là. non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, alors. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir euh, Je vais débrancher tout ma merdier. Voilà. Je vais repasser à côté et puis on va en parler. Hop. Bon, j'ai mes outils. Fermer mon fer à sonner. Zou Waouh wow, C'est la première fois sur un live qu'on obtient des, des résultats euh, à cette vitesse-là. C'est assez incroyable. Ce bruit de ressort. Ouais, je suis désolé. <laughs> je suis désolé. Euh, ok, super. Du coup. Du coup, voilà. Le bestio. C'est très très bien. Je suis très content. Donc, on a euh, le petit câble avec le connecteur. Qui peut être aussi un connecteur coudé. Là, j'ai mis un connecteur euh, droit. Euh, la petite carte là. Euh, L'électrovanne et donc euh, la prochaine fois, ce qu'on pourra faire, c'est imaginer comment on pourrait venir fixer ça dans un euh, support en impression 3D, découpe laser, ce qu'on veut, pour pouvoir après finir et eh ben en fait notre euh, euh, bah, notre système euh, électropneumatique. Du coup, du coup, ça c'est quand même cool parce qu'on a besoin que de ça. Pour pouvoir euh, bah, ventouser, en fait, après, on a juste à brancher euh, sur euh, une, un tube, une ventouse, euh, et puis on, est, euh, on a fini quoi. Donc, c'est plutôt un super truc. Euh, je suis assez content. Donc, euh, bah, merci, euh, Alf. Sur ces pompes, l'entrée d'aspiration OSE. Euh... Attends que je dise pas de bêtises, l'entrée d'aspiration est là, sur le côté, c'est latéral. Voilà, c'est ici. Tu aspires par là. Tu éjectes par là. Voilà. Donc, nous, ce qu'on avait fait, c'est ici, on partait avec un T sur lequel on venait brancher notre électrovanne, et puis après, le reste partait sur la, la ventouse, et donc mise à l'atmosphère avec l'électrovanne. Voilà. Euh, donc, je vais vous montrer. Le circuit. Alors juste, j'ai eu un souci là cet après-midi. Je m'en suis rendu compte quand j'ai soudé. C'est que la version que j'ai là, c'est une version que j'ai euh, bourrinée, euh, Donc c'est pas la version euh, de ma carte. Mais c'est pas grave parce que comme je l'avais synchronisé sur, euh, sur GitHub, je vais juste reprendre une version précédente et la remettre à jour sur le GitHub des Caribous. Comme ça, vous pourrez la voir parce que là, si on va sur le board, bon bah voilà, le board il est tout pété. Euh, c'est pas la bonne version quoi. Néanmoins, c'est le bon schéma et vous voyez, il y a vraiment vraiment rien, c'est à dire euh, deux fois le même circuit euh, euh, résistance MOSFET diode, le connecteur et basta, et on n'en parle plus et, euh, et c'est vraiment très simple tu ferais, tu feras pas le circuit de vide en impression 3D par hasard et bien je ne sais pas euh, parce que en fait, euh, j'ai mon autre collègue là, euh, des caribous qui doit tester euh, des, des, euh, des trucs comme ça. Donc euh, pour l'instant, l'année dernière on ne l'avait pas fait. Euh, mais cette année, peut-être que vu l'espace qu'on qu qu veut euh, euh, et qui va nous rester dans le bras qu'on va utiliser, bah, il se pourrait peut-être qu'on qu fasse ça. Mais euh, pas, euh, pas encore sûr. Vraiment pas encore sûr, il faut qu'on fasse des essais là. Euh, donc bon, pour l'instant. Euh, pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. On est plutôt, plutôt, plutôt satisfait. Donc euh, voilà, si jamais ça marche euh, avec l'histoire de, de la pression 3D, ben, ça sera cool. Sinon, on a une solution de repli. Et donc du coup, notre carte. Ah, et là, il va me montrer son système. À oh Ah, mais c'est ce que tu avais fait l'année dernière. Je me souviens des photos. Ah c'est pas mal, c'est pas mal, ah c'est pas mal. Ouais, on, on, en fait on a exactement la même problématique, euh, sauf que nous notre tube il doit euh, sortir de ce côté-là, tu vois. On doit avoir un truc très fin et avec un truc qui sort de ce côté-là. Et c'est pas euh, c'est pas impossible. Hein. Moi j'ai en fait j'ai déjà réussi à le faire l'année dernière, mais sur une seule pièce. C'était pas répétable en fait avec mon imprimante, donc on va essayer avec plusieurs imprimantes pour voir euh, pour voir si c'était pas mon impression qui avait merdé, mais je, je, je m'y étais pris trop tard. Non en tout cas très bien. Ça donne des idées. <laughs> Hop Alors. Salut Alex. Oh Tu arrives Tu arrives après, euh, après le test de la pompe. <laughs> Et du circuit de pompe. Bon, ça a marché. <laughs> J'ai failli envoyer un message sur, sur Twitter en disant euh, c'est quand même le, <laughs> le live où il où y a un taux de fail assez important dès le début qui peut apparaître. <laughs> Finalement, ça a été. Euh, je dois faire le design jeudi là. Ah bah super! Romain, ça fonctionne assez bien l'impression 3D pour le VIN. Pas mal de couche de périmètre. Ouais, c'est peut-être ça qui nous a manqué euh, l'année dernière, c'est qu'on a peut-être pas fait cette couche de, de périmètre. Euh, mais bon, de toute façon, je pense qu'on refera, euh, refera un live euh, à ce moment-là euh, pour regarder euh, comment on a fait et sur euh, le bras, comment on va faire pour, pour l'intégrer. Donc je vais fermer ça parce que du coup, c'est plus celle-là maintenant. Notre. Euh, alors, notre pompe, notre circuit en fait. Il n'est pas tellement plus compliqué. En fait, celui que j'ai envie de euh, produire, c'est celui-ci. Donc, vous voyez exactement la même chose. La seule différence, c'est que je suis venu rajouter trois euh, lettres d'état, une lettre pour l'alimentation, parce que j'aime bien savoir si ma carte est alimentée ou pas. Ça, c'est quand même hyper euh, hyper important euh, de savoir si juste. Il y a la ligne qui arrive. Enfin, ça, ça a l'air con comme ça, mais c'est hyper important. Et de, euh, de l'aide d'état euh, pour savoir si la pompe ou le est activée, ce qui permet de tester sans avoir besoin euh, d'avoir euh, le circuit de pompe ou euh, autre, les autres trucs qui fonctionnent euh, ou qui ne fonctionneraient pas. Détecter euh, une EV qui serait morte ou un moteur qui serait mort, enfin, ou un blocage, j'en sais rien. En tout cas, de voir mes signaux arriver, c'est important. Voilà. Ça, se, ça te tapisse les parois et les étanchifie les étanchéifie plutôt hein plutôt hein je, <laughs> je pense que c'est ça qu'on dit alors sinon tu bourres à la graisse de vide et ensuite tu mets sous pression ah oui le liquide pour pneus de vélo c'est top aussi le liquide pour pneus de vélo ah pour euh, reboucher euh, les trous oh j'avais jamais pensé ah, que d'astuces dans ce live merci les amis il va falloir tester tout ça. Et donc la carte euh, qui devrait être la carte finale, c'est celle-ci avec euh, les différentes LED. Alors là, par contre, on a des composants des deux côtés. Euh, Est-ce que j'ai j'ai forcément la carte à mon avis puisque actionnaire non sous ensemble à ah, électronique. Euh, ah c'est cool, j'avais les deux. <laughs> voilà. Voilà, et donc avec les trois LED d'état que j'ai mis où j'ai pu, voilà. Si je cache la micro-pompe et j'ai dû mettre des résistances en dessous, donc ça c'est la prochaine étape. Mais en tout cas, le premier design fonctionne. Rajouter les lettres, ce sera pas un problème, c'est très rassurant. Voilà pour, non, je ne veux pas ça regarder. Voilà pour le. Pour le. Pour la carte de pompe, en fait. C'est presque, presque trop simple. Tout ne tient pas en une couche de composants. Bah non, je n'ai pas réussi. Euh... Attention, c'est du 1206. Hein. Ah, voilà, pensez à ça, c'est que mes composants là c'est du 1206 et j'ai pas réussi à trouver une solution euh, qui me convenait. Euh, Peut-être qu'il faudra que je cherche un petit peu plus, euh, mais, euh, mais bon, voilà. Je... Juste que ça m'a simplifié la vie de passer en dessous, donc euh, voilà. <laughs> mais le, le circuit est sur le, le Gitem. Il est dispo, donc n'hésite euh, pas à, à, à regarder et puis à voir euh, si euh, s'il y a un truc à faire. Il est pas dit que je change pas deux trois trucs hein, dessus. Hein. Honnêtement, il euh, y a, a peut-être deux trois, deux trois choses que je vais peut-être changer. Mais, euh, mais bon voilà. Euh, bon bah super. Eh ben écoutez, check. Une chose de fait. C'est bête, je voulais, euh, je voulais faire un <laughs> une checklist directement sur le live pour dire hey, euh, ça c'est fait, on a vérifié ça, on a fait ça. J'ai pas eu le temps de le mettre en place, mais du coup ça aurait pu être drôle. Et maintenant on arrive. Après je suis pas sur gueule donc je prendrai juste les gerbères, je me trafferai sur une de tes commandes PCB si c'est possible. Bah écoute avec plaisir, je crois même que les... Euh, je crois que j'ai déjà mis les gerbères de la première carte dessus. Et sinon, sinon tu me diras et puis j'en commanderai. De toute façon, je vais en commander, euh, je vais bien en commander 15 ou 20. Donc euh, voilà. Et ben maintenant, passons à la deuxième partie du live où on va terminer euh, ce qu'on avait commencé avec euh, le, euh, comment dire, le, bah, le mat balise assez impressionné par le temps entre le développement et la réalisation bah écoute tu te remercie euh, en fait euh, mais alors je sais pas euh, mais, mais ça fait ça fait quand même un petit moment euh, que je les ai, je les ai faites ces, ces cartes je les ai mis de côté parce que du coup j'attendais euh, bah, la, la livraison euh, du coup j'ai préféré travailler sur sur le mat balise. mais euh, mais ouais du coup je suis moi je suis assez content que ça ait fonctionné tout de suite euh, après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà testé euh, les mêmes composants euh, sur une carte pour ma Fab Academy euh, l'année dernière. Donc je savais qu'à priori, il euh, n'y aurait pas trop de problèmes. Après, si tu veux, on pourra même te faire assembler de toutes tes cartes à l'électrolab. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Mais tu me priverais de ma passion, qui est euh, la soudure, quand même. Et donc euh... <laughs> j'aime bien souder, en fait. <laughs> Mais c'est très gentil. On, fait, on, fait une, on, on monte une, une entreprise où on fait que des cartes comme ça et on les vend. <laughs> on les fait souder à l'électrolab. <laughs> Alors, non mais en fait, je veux dire un truc, c'est que j'ai soudé pendant très longtemps du composant traversant. Euh, j'ai toujours eu du mal à me mettre au CMS. Et depuis que je soude un petit peu de CMS, je prends beaucoup plus de plaisir à souder du CMS qu'à souder du traversant. Euh, je trouve ça quand même vachement plus rigolo Et... mais bon ça c'est moi ça. allez tu veux dire la mutilation par brûlure de doigts ah oui mais moi j'utilise une pince euh... <laughs> je suis pas fou <laughs> je vais pas prendre mon composant CMS avec mes doigts <laughs> j'ai la taille des machins Alors, puis en plus là je fais que du 1206 j'aimerais passer en plus petit mais à la main euh... bon, on verra bien Quelqu'un a déjà testé l'assemblage des cartes chez Sid Oui, regarde. Je teste parce que j'en fais de manière euh, professionnelle. Voilà. Attends, je vais changer de, de caméra. Voilà. Alors, est-ce que le résultat est bon euh, C'est compliqué de te répondre. J'ai eu un badge de 70 qui a très bien fonctionné. Mais, genre, euh, nickel, j'ai zéro problème, euh, ça s'est bien passé. Et j'ai eu un autre batch de 50 où j'ai eu des soucis. J'ai pas eu de soucis fonctionnels sur la carte, c'est-à-dire que tous les composants CMS, tous les composants standards, tout, ça, tout, 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 tout était correct. C'est juste que le connecteur euh, USB, là, euh, ils me l'ont me soudé sur certaines cartes n'importe comment. Et en fait, c'est un batch que j'ai fait pendant l'été. Et je soupçonne que ben c'est pas les mêmes personnes qui ont soudé les cartes que d'habitude, en tout cas qui se sont occupés de la, de la, de la soudure sur certains composants, parce qu'ils soudent pas tout avec des machines, j'ai l'impression. Et, euh, et donc du coup c'était assez fragile et j'ai eu quelques clients qui, qui ont eu des connecteurs qui se sont cassés. Euh, donc je, je soupçonne une, une faiblesse à ce niveau-là. Maintenant, euh, voilà, ça, ça peut arriver. Euh, C'est difficilement visible quand tu, le, quand tu les réceptionnes. Parce que moi, je les, je, les, je les ai checkés une à une pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Et j'ai rien vu de, de, de particulier sur celles qui sont parties. Euh, mais j'avais quand même détecté des, des faiblesses sur certaines. Donc. Je vais dire que dans... Allez, euh... j'ai peut-être eu 10 sur 160 euh, cartes au total. Euh... Bon, bah voilà, euh... c'est pas, pas non plus énorme quoi. Euh, mais sinon, pour le reste, ça, ça marche bien. Ils ont une bombe spécifique. Attends, je vais revenir sur ma tête. Ils ont une bombe spécifique. Qui permet en fait d'avoir des composants qui sont pas chers et maintenant ils ont une bonne chez une bonne étendue euh, et donc tu trouves à peu près euh, tous les connect tous, enfin quasiment tous les composants que tu, tu souhaites euh, en standard euh, et quand tu n'as pas un composant en fait tu leur dis euh, bah tiens euh, la référence chez DigiKey ou chez Mooser c'est ça et euh, ils te font un devis et ils se démerdent pour euh, se les procurer et te les souder donc c'est quand même pas trop mal ou 50% des commandes qui foirent. Bah non, 10 sur 160. Ah ah oui 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 d'accord ok ouais 50% des commandes. Non mais parce que genre, en fait j'en ai fait d'autres avec d'autres cartes euh, et j'ai pas eu de problème c'est vraiment la première fois. Sur un batch, j'ai des soucis, quoi. donc je, euh, voilà. Je saurais pas, euh, pas dire euh, si ça va se répéter. Là, j'en ai un autre de 50 qui est en cours. Euh, on verra bien quoi. Si ça si ça refonctionne bien, après honnêtement, là où ils sont super, c'est que euh, ils, si jamais ils détectent un souci sur ton PCB. Et c'est arrivé sur, sur celui-là au début. Euh, notamment, en fait, l'empreinte euh, qui avait été utilisée n'était pas la bonne. Euh, ils ont directement quelqu'un qui prend contact avec toi. Et ils t'envoient des photos de la prod, de là où ça bloque. Il te propose des solutions, euh, c'est toi qui décides, tu, qui dis go no go, euh, et, euh, et, euh, et il te propose de, de regarder avec toi pour améliorer la carte pour les, prochaines, les prochains batchs. Donc c'est quand même plutôt cool, moi je trouve. De ce côté-là, je ne m'attendais pas à ça, hein. vraiment pour le prix, je ne m'attendais vraiment pas à ça c'est vraiment, euh, non, non, vraiment cool et je, je leur ai même fait détecter des, euh, des soucis dans leur euh, dans leur librairie euh, et euh, et quand euh, la version d'Eagle a changé, euh, on est passé sur des versions plus récentes, il y avait certaines librairies qui étaient en, un peu en PLS euh, et donc euh, j'ai regardé avec eux et j'ai dit euh, attention parce que là euh, la procédure que vous me donnez, euh, elle ne marche pas dans la nouvelle version. Moi j'ai trouvé qu'il fallait faire comme ça, comme ça. Et puis du coup, j'ai vu qu'ils avaient aussi un peu modifié leur, leur truc sur leur site. Donc c'est plutôt cool. Et la librairie, euh, elle fonctionne. Elle, elle est en ligne sur GitHub. Donc du coup, tu as la possibilité aussi de euh, proposer euh, tes, euh, tes modifications. Ils, ils encouragent ça parce que du coup, ils ont tellement de composants différents. Et ça évolue tellement vite que voilà, ils proposent quand même aux gens de pouvoir proposer des choses et puis après de les valider. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même pour les petites séries. Alors, euh, moi je le fais pour les petites séries. Euh, sache quand même qu'ils proposent de faire des séries de 5000. Donc ça commence à être des grosses séries hein, quand même. Et euh, ils proposent aussi de faire... Euh, moi je ne l'ai pas encore fait chez eux, mais quand tu démarres avec des séries de 100 ou de 500... Euh, alors déjà, tu peux leur donner des procédures pour charger euh, euh, ou pour tester les, les cartes. Voilà. Donc par exemple sur cette carte-là, moi je dois euh, brancher euh, un programmateur euh, charger un bootloader, charger un premier code, euh, vérifier euh, que tous les composants fonctionnent euh, avant de, de, de la faire partir. Et ben du coup, euh, ça je pourrais écrire une procédure, leur donner et ils le feraient. Et donc du coup ça veut dire que ils testeraient, ils pourraient tester chacune des cartes ou un lot de cartes ou voilà. tu, tu fais ta propre procédure quoi avec eux et euh, tu as euh, du coup un process qualité de vérification de tes cartes en sortie d'usine ça coûte un peu plus cher mais euh, c'est possible et moi je trouve que c'est quand même des process où tu n'es plus vraiment dans la petite série quoi tu es, euh, es, es, euh, es, es quand même un petit peu quand même un petit peu au-dessus quoi du coup est ce que c'est valable pour des robots de la coupe où on, euh, on reste sur des tout petits batchs euh, clairement euh, au niveau du tarif c'est euh, pas du tout rentable de le faire pour des robots de la coupe. C'est à dire que euh, 5 cartes comme ça euh, soudées, il euh, y en a pour 300 ou 400 balles. Il hein. euh, euh, c'est pas exceptionnel, hein, euh, je veux dire euh, c'est du double face, il euh, n'y a euh, pas tant de composants que ça. Hein, euh, voilà. Euh, voilà Par contre, quand tu commences à en avoir 50 ou 70, sur des prix qui sont à 1100 euros à peu près de, 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 de coûts de, de fabrication ça te revient à alors je sais plus 22 euros la carte je crois de mémoire quelque chose comme ça là ça commence à devenir intéressant pour des robots de la coupe honnêtement sauf si euh, je sais pas on trouve une un truc qui fonctionne super bien on se met à plusieurs euh, équipes et on en commande euh, une centaine là ouais pourquoi pas quoi en d'autres cas euh, c'est pas très très utile par contre ils ont souvent des, euh, comment dire euh, des, des réductions, genre euh, si tu commandes pour euh, pour 100 ou pour 50 dollars, euh, il te file tant de cartes ou ça coûte moins cher. ou euh, Ils ont souvent des, des petits bons comme ça, surtout sur Fusion. Bah écoute, euh, avec plaisir, genre les, les cartes moteur contrôle de CV1. <laughs> ah ouais, par exemple, <laughs> ils ont rabais actuellement cinq cartes max. 20, ouais, ouais, alors ça c'est ouais, leur. Euh, euh, ils avaient fait ça il y a 6 mois, je crois. Ils l'ont refait là, euh, en PCBA. Euh, honnêtement, euh, si t'as l'occasion, si t'as une carte qui fait euh, moins de 20 composants, ouais, ça à tester. Hein. Alors, en vrai, euh, euh, tu regardes leur BOM, euh, tu, 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 tu utilises leur truc pour faire une petite carte, euh, et du coup, ça va vraiment pas te coûter cher. Hein. Pour servir en position à moteur d'essai. Mais tu voulais pas tester le haut drive, toi Il me semblait que tu étais parti là sur du haut drive avec des moteurs euh, brushless, hein, je comprends plus rien. Ah ok ah bah oui, oui c'est vrai qu'on n'est pas obligé de... Pour servir en position un moteur d'essai. Bah je sais pas. Il <laughs> faut leur demander si. si euh... <laughs> Alors du coup... Pendant que euh, pendant que ça continue de parler sur les sur les cartes de motorisation, euh, ce qui est ce qui est ce qui est cool du coup parce que c'est vrai que c'est un besoin. En fait, ce serait bien d'avoir euh, les CVRA, ils ont l'habitude, hein. euh, mais euh, ce genre de choses là, mais euh, pour euh, c'est un moteur d'essai ça, je, je, mais avec un moteur avec euh, contrôle de position euh, derrière un servicement hop, Et euh, ça, sera, ça sera nickel. Ah oui, Alex euh, a des bons retours sur les moteurs de brushless. <laughs> il, a, il a taffé dessus cet été. Allez, moi je reviens sur ma, euh, mon, mon mat balise. Alors, l'idée du mat balise c'était d'avoir un petit moteur papa, euh, n'importe quoi, un petit servomoteur à l'intérieur. Mes deux petits OPB là qui vont tourner. Tuc, tuc, tuc. Donc ça c'est le, le système qu'on utilise depuis des années qui fonctionne tellement tellement bien, très simple. Donc l'idée c'est on reprend la même chose, on le valide, on en fait une, une version qui soit un peu, euh, un peu plus épurée que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et comme ça on a une version euh, mise à jour de notre euh, mat-balise. Et l'autre nouveauté c'était de pouvoir faire des essais de tests de position de euh, comment dire de communication entre le mat balise euh, et, euh, et puis le, le robot avec du coup une carte électronique qui sera intégrée à l'intérieur on va revenir sur la carte électronique après euh, donc voilà par contre euh, ce qu'on n'avait pas testé la dernière fois, ce que je n'avais pas pu faire, c'est découper mes pièces au laser pour les, pour les tester. Euh, et donc du coup, j'ai pu faire ça euh, la semaine dernière, j'ai partagé un peu de, de, de ces images-là sur, sur Twitter. Et donc voici le proto de, euh, du mat-balise, donc avec euh, le système ici euh, monté sur des ressorts. Euh, je vais y revenir d'ailleurs sur les ressorts. Ici, donc, ça me permet de régler en fait, euh, cette plaque-là euh, lors de l'homologation afin de montrer qu'on peut être complètement plat. Donc je fais ça avec les arbitres, ce qui me permet de, hop, de valider et puis de ne plus y toucher après, euh, après l'homologation. Euh, ensuite en dessous, j'ai mes deux capteurs montés sur hop, la petite plaque qui vient être actionnée par un servomoteur. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Je vais ouvrir devant pour vous montrer euh, l'intérieur. Et euh, du coup, il ne reste plus qu'à faire la carte. Euh, par contre, il y a eu quelques... Oh, c'est pas des soucis, mais disons que c'est des points d'amélioration. Euh, et puis, bah, ce serait pas trop mal de pouvoir améliorer ça pour nos deux robots. Sachant qu'on va faire deux fois la même chose. Pour le coup, alors... Je vais un peu, par contre. Oh. Voilà. ça le proto on va le mettre là les cartes pog je vais les poser là-bas voilà ça, ça arrive ici voilà et ça je n'est plus besoin. hop alors Oula, le support de micro qui est, en, qui est en malaise. Alors, un petit 2, je ne sais jamais, c'est du 2. Super. Alors, on va l'ouvrir. Je vais changer de, de vis. Euh... Hop, alors euh, le principe, si on regarde bien, c'est noir sur blanc, c'est pas hyper dingue si je tourne la lumière. Euh, voilà, donc là ce que j'ai fait ici, c'est que ces deux plaques qui sont ici, elles sont euh, pliées euh, à chaud, euh, ce qui me permet en fait d'avoir le moins de vis possible pour pouvoir l'assembler. Voilà, donc ça c'est pas, euh, pas trop mal. Et euh, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir euh, par cette plaque là qui est en fait la plaque sur laquelle euh, serait fixée euh, la carte électronique. Donc là, cette plaque-là, euh, fatalement, elle n'est pas bonne aujourd'hui, euh, parce qu'il manque les trous pour pouvoir passer euh, les LED euh, et euh, les potentiomètres. Euh, mais du coup, ça m'a quand même permis de tester l'assemblage du système. Tu as une plieuse à chaud ou c'est fait à la bonne franquette euh, Là, je l'ai fait à la plieuse à chaud, ouais. Euh, ouais, alors, de toute façon j'ai envie de te dire que à la pliage à chaud ou avec un, un machin qui, qui crame euh, les pattes euh, voilà, un décapeur thermique ou ce que tu veux c'est généralement de toute façon pas ultra apprécié le pliage hein. euh, d'ailleurs je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir c'est pas évident là, à la caméra mais en gros j'ai pas un angle de 90 degrés euh, parfait euh, ici. Euh, et un des problèmes justement, c'est que là, euh, ma, mon ski là, ici là, sur lequel est, est fixé les, les capteurs, c'est une plaque qui est censée être pliée avec un certain angle. Et j'ai pas réussi à faire les deux mêmes des deux côtés. Euh, voilà, c'était un, un souci. Euh, les capteurs qui sont là-dessus, euh, ce sont par contre euh, pas ceux que je vais utiliser, c'est des home run. Euh, mais euh, ben voilà, c'était juste pour euh, tester en fait le système d'accroche des câbles euh, et euh, voilà. Donc euh, c'est juste que je les ai fixés avec du, du scotch double face. Euh, l'intérieur, oh, c'est pas évident de voir ça. Je sais pas si vous voyez mieux comme ça. Ouais. Voilà, donc on a la plaque ici euh, fixée avec le servo moteur à l'intérieur. Et alors euh, quoi qu'on en dise, juste vous montrer. Ici, le système de fixation, et euh, eh ben le système qu'on avait, euh, qu avait imaginé et trouvé là où on était un petit peu perplexe, et eh ben ça fonctionne pas trop mal là, ce petit truc là. Ici, euh, par contre, je joue sur l'élasticité du matériau quand même. Euh, donc, est-ce que je modifierai ou pas Parce que pareil, je sais pas si ça se voit, mais la plaque qui est ici, du coup, elle est un petit peu en banane. Ceci dit. Bah franchement ça tient, j'ai pas de jeu. Euh, le euh, servomoteur peut faire tourner les pièces. Euh, donc je suis, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt satisfait du résultat. Voilà. Euh, les petits euh, les petites euh, les équerres en 3D. Euh, ça, c'est pas mal. Par contre, je les ai faites vraiment trop petites. Comme vous pouvez le constater ici. Oh là, évident ça. Voilà, c'est vraiment très proche. Donc, euh, si je devais modifier un truc, je modifierais peut-être un petit peu ça. Bon, après, c'est du détail. Euh, sinon, on bah, globalement, ça s'est bien passé. Notre système de. Pareil, je vais revenir pour que ce soit plus clair. Voilà, deux passages de câbles ici. Pour pouvoir, en fait. Alors. Les câbles, même s'ils ont des connecteurs, de pouvoir les passer dans un trou, voilà. Passer le câble plus le connecteur ici, de pouvoir les démonter facilement. Ça, ça fonctionne très, très bien. Donc, là, ça, j'en suis très, très content. Là, il est temps d'utiliser des inserts en laiton. Ouais, ouais, franchement, j'y ai pensé. Euh, j'y ai pensé et. Alors finalement, j'aurais pas été gagnant sur la, la taille de la, de la pièce, hein. ni sur le coût de la pièce là-dessus. Non, ça pouvait, ça, ça peut se résoudre avec juste je modifie 2 mm un peu plus long que mon équerre et ça fonctionne. Là, les inserts en laiton, euh, je suis pas sûr que ça m'aurait euh, fait gagner du temps. Par contre, là où je suis euh, assez d'accord, c'est que c'est quand même relativement plus classe et ça se démonte beaucoup plus facilement. Ça, c'est indéniable. Hop, je reviens sur ma soudure. Ou des vis pour le plastique. Oui, ou des vis pour le plastique directement dans, le, dans, les, euh, dans, les, dans, les, dans les pièces en impression. Mais alors, par contre, c'est vrai qu'il y a bien un truc euh, que j'ai pas, euh, pas beaucoup c'est euh, bah, des insérants en laiton, j'en ai pas sous la main et euh, je recommande. Euh, et euh, des vis à plastique, c'est pareil. C'est vraiment pas le, le genre de choses qu'on que utilise beaucoup chez nous. Euh, et c'est important parce que souvent, je me fais la réflexion je me dis, avec des pièces en impression 3D, des vis à plastique ça serait quand même super bien Mais bon. alors il faudra que je résolve cette histoire de lumière sur cette partie là du live bref euh, néanmoins euh, de toute façon ça sera juste cette pièce là qu'il faudra changer c'est pas énorme énorme non là où il y a un souci vraiment euh, c'est sur euh, réussir à faire la même pièce et le même angle des deux côtés ici alors, je vais peut-être réfléchir à une autre solution que la pièce en découpe laser, même si euh, ce serait vraiment dommage parce que ça fonctionne vraiment très bien. Et l'autre problème, c'était ça, là, ici, qui n'est pas véritablement un souci, mais bon, et c'est là où vous allez me dire, bah, mais des inserts. <laughs> euh, c'est que là, j'ai une entretoise euh, 5, et l'idée, en fait, derrière ça, c'est que j'ai un ressort. entre les deux sauf que euh, bah, j'ai pas beaucoup de latitude quoi je dois avoir soit euh, 3 3 mm euh, 3 mm 4 mm de, de réglage quoi donc c'est euh, vraiment pas énorme je sais pas si ça sera suffisant pour régler euh, bah, euh, comment dire ce que je pourrais avoir comme comme euh, bah, des réglages sur mon sur mon niveau de, de ma de balise mais, euh, mais ça, euh, voilà, c'est peut-être le, le truc qui est un peu euh, qui serait un petit peu problématique. Mais sinon, globalement, j'en suis plutôt très satisfait. C'est très simple. Enfin, ça tient dans, dans pas grand-chose pour de la découpe laser. Les pièces en impression 3D, elles s'impriment en, en 20 minutes. Il euh, n'y a pas trop de pièces. Ça se démonte plutôt bien. Euh, euh, voilà, je trouve que c'est une solution qui est franchement euh, franchement pas trop mal. Et couplée avec euh, des euh, euh, comment dire des balises passives euh, réfléchissantes et des OPB 720 qui coûtent vraiment pas cher, euh, ça peut être une super euh, solution pour débuter, euh, je trouve. Ah oui, par contre euh, cette plaque-là n'est pas symétrique c'est a l'air con comme ça, mais ça me... Ça me voilà, <laughs> ça m'a piqué. Je ne sais pas ce que j'ai foutu euh, pour rendre mes deux plaques non symétriques. Bref, <laughs> ça m'a ça, ça tellement, euh, tellement énervé quand j'ai vu ça. Donc il y a peut-être ça aussi que je vais changer, <laughs> parce que je suis un peu... Euh, voilà, ça m'arrive d'être un peu perfectionniste sur des trucs comme ça. Bref. Euh, pour une inclinaison de capteur, à moins qu'un gabarit pliage suffise, je n'ai pas de solution simple. Bah ouais en fait ce que je vais faire c'est que je vais redécouper euh, un je vais en redécouper une plaque et puis je vais essayer de faire un gabarit pour voir. Après il euh, y a un système de réglage euh, sur le côté du du de la machine. Donc en fait, il suffit que de, de faire toutes mes, euh, toutes mes plaques en une seule fois avec un réglage. Euh, sauf que ce réglage, il est juste... Euh, imprécis au possible, et donc euh, ouais, il faut que je fasse un, un genre de gabarit avec l'angle l'angle souhaité à côté quoi. et chauffer un petit peu plus le plastique et ne me demande pas un truc, mais je sais que je regretterais si je te demandais un truc compliqué <laughs> j'ai déjà vu de quoi tu es capable <laughs> non mais le gabarit c'est très bien, je vais faire un gabarit découpé au laser dans du CP ça sera, ça sera parfait donc voilà euh, ce petit système et alors du coup l'idée euh, c'est de pouvoir mettre aussi euh, d'autres types de capteurs euh, donc de pouvoir juste changer le ski entre les deux euh, et puis de changer euh, finalement euh, si on revient ici de changer euh, les trous, le système de fixation, euh, ou d'en faire des, des, des trucs un peu plus euh, standards, j'en sais rien. Et euh, peut-être que j'aimerais enfin, tester, parce qu'on l'a rajouté sur la carte euh, la semaine dernière, j'ai reçu des, euh, et à chaque fois je n'arrive pas à me souvenir du nom, des V53, euh, non, des VL, 53 L0X. Bref, des capteurs laser time of flight. Euh, qui sont Oups. que j'ai reçu genre euh, le... vendredi dernier. J'ai pas du tout. Euh... J'ai pas du tout encore testé. Mais qui me semble suffisamment petit pour être intégré sur une petite pièce découpée euh, ou imprimée euh, euh, en 3D. Ouh, ou découpée au laser directement. Oh, est-ce que ce serait possible, ça Alors, je vais en ouvrir un. Voilà. Ah non, je pourrais pas. Il est tout petit. Très bon modèle. <laughs> euh, super, au fait, ton bas ton de balise, euh, Alex. Alex qui a fait un, un mode balise à base de, de, ce, de ce type de capteur là euh, avec moteur brushless euh, et, euh, et ça a l'air de fonctionner, euh, fonctionner plutôt pas trop mal. Hein. Il, il est full brushless sur ces robots euh, cette année euh, Alex. Donc voilà, donc l'idée ce serait de mettre ça à la place. Vous voyez que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc il y aurait moyen effectivement de faire une petite pièce d'adaptation en impression 3D, de pouvoir se mettre dessus, et puis après de faire le branchement sur la catalyse électronique. Donc, j'aime bien ce, ce projet, parce que c'est vraiment euh, une petite base très simple et très sympa, pour tester des choses, et, euh, et honnêtement, euh, bah, en fait, euh, savoir précisément où est l'adversaire, c'est très bien, mais quand on sait déjà euh, c'est exactement les mêmes PCB que pour les VL 53-0, bah oui, mais c'en ça, ça est. Hein, ça en est. Euh, tu en mets deux ou quatre, j'en j'en mettrai deux uniquement, capteur. Euh, savoir exactement où est l'adversaire sur le terrain, c'est très bien, quand euh, bah, on sait euh, parfaitement bien se positionner. Mais finalement, euh, comme la plupart des, des équipes de la coupe euh, ont déjà beaucoup de mal à, à aller d'un point A à un point B, euh, je me dis qu'il faut des systèmes... Euh, il faut leur proposer des systèmes qui soient euh, très simples euh, et, euh, et qui ne euh, posent pas trop de questions et qui disent juste bah, j'ai quelqu'un euh, je sais que j'ai quelqu'un euh, je sais pas moi à cette euh, dans ce rayon là à peu près euh, à cet angle là et qu'est-ce que j'en fais voilà à partir du moment où on a cette information là qui est relativement simple moi je trouve que c'est déjà suffisant pour une grosse majorité des équipes qui débutent ou qui ont du mal hein, en fait à faire des, des robots euh, ben, fiables en déplacement, quoi. Euh, plutôt que de se prendre la tête sur des choses des fois un peu complexes, alors que euh, certaines équipes devraient se concentrer sur, sur juste les déplacements, alors, en fait. Donc euh, voilà. Donc je suis, je suis assez content de, du, du, du résultat et donc du coup si ça peut servir à d'autres équipes, eh bien, ça sera super cool. Euh... Voilà, ah oui, j'ai reçu un autre truc aussi. Je crois que c'était. Euh... Non, je me suis trompé du coup. C'est pas mon truc. Il faut que je les trie. Non, mais je les ai reçus il y a pas longtemps. Il faut que je les trie. Et je crois que c'était vous. Je crois que c'était chez CVRA hein, que vous, euh... euh, vous m'aviez conseillé ça. C'était pour les alimentations de cartes. Voilà. J'ai acheté. Ah oui, mince, je suis pas sur le bon. Hop Des euh, plein de régulateurs. Wouh Euh, j'en ai acheté plein il y avait une... <laughs> il y en avait euh, euh, 5 pour 5 centimes enfin, bon, j'exagère mais c'était vraiment euh, vraiment ça et c'est quand même super il euh, faudrait que je teste un petit un petit circuit avec ça voir un peu les, les capacités voir comment comment ça se comporte ce que ça chauffe beaucoup et ça pourrait être une de une solution pour alimenter nos, nos servomoteurs non, en fait donc, ça, euh, peut-être que je, je, je ferai un truc euh, un soir, on testera ça. Parce que ça va venir les circuits avec les cerveaux cette année. Euh, J'avais fait une balise comme ça, sauf qu'elle tournait en continu. Oui, voilà, après, c'est euh, une solution aussi de les, de les faire tourner en continu. Mais du coup, ça veut dire euh, euh, avoir un, un système pour bah, que les fils ne s'en mêlent pas, euh, qu'ils qui, qui, qui puissent tourner. Euh, ça veut dire euh, avoir mécaniquement quelque chose qui est relativement propre, de pouvoir le piloter euh, en vitesse. Euh, donc, ouais, c'est assez cool. Euh, ça serait vers ce vers quoi j'aimerais tendre aussi après avec ça. Euh, mais sur une version 2, quoi. Euh, c'est. Euh, moi, je pense que pour beaucoup d'équipes, ça. Euh, et même encore plus simple que ça, hein. euh, là, que j'ai une découpe laser, mais même en impression 3D, il y a moyen de faire des trucs très simples, mais euh, un servomoteur avec... Euh, ah oui, je, je récupère le signal de position euh, en analogique avec le, en regardant le potentiomètre. Voilà, j'ai euh, le pilotage, j'ai euh, deux fils, tout ou rien, où ça me dit voix, euh, euh, voix pas, euh, en réflexion. On n'en parle plus, on passe à autre chose, on sait détecter l'adversaire, on peut se concentrer sur d'autres choses, euh, choses. Et puis on revient après, si on s'améliore sur des systèmes plus complexes, effectivement, la euh, logique suivante, c'est euh, balise avec un ou deux capteurs, rotation continue, dans ce cas-là, euh, et puis peut-être juste un aimant, euh, comme ce que j'avais fait pour la Fab Academy, un aimant, un, un capteur Hall, euh, on pilote la vitesse et puis voilà. Il y a une raison pour que tes câbles soient aussi longs. Ah oui, ouais, ouais, non, mais là. Euh... <laughs> Alors, pour expliquer, comme c'est un proto, j'ai utilisé les trucs que j'avais. Donc, j'avais pas d'OPB à part ceux qui sont dans mon robot. Donc, j'avais pas envie de démonter euh, mon robot pour le moment pour faire des essais. Donc, ça, en fait, c'est les câbles neufs euh, quand tu achètes les capteurs Omron. Donc, euh, ils, font, euh, ils font 15 milliards de kilomètres. Je les ai pas coupés. Euh, potentiellement, je pourrais en avoir besoin. Sauf que ces capteurs-là fonctionnent en 12 ou 24 volts, euh, et moi je tourne en 5. Donc, enfin, euh, en tout cas sur cette partie-là. Donc, euh, ça ne m'allait pas. Et euh, mais c'est pas grave. C'est pas, pas, pas mes capteurs euh, que les capteurs que je vais utiliser. Et en fait, ça, <laughs> c'est parce que j'ai réutilisé un servomoteur que j'avais utilisé il y a deux ans, et où effectivement, bah, ma balise et euh, la carte qui la pilotait étaient très loin, et donc du coup, j'avais euh, voilà, beaucoup de longueur. <laughs> C'est euh, voilà, juste historique. Mais à terme, tout ça, ça va faire foot. Et la carte étant à cet endroit-là, bah, en fait, on va avoir des capteurs, des, des câbles qui vont être très très courts, qui vont se mettre là-dedans. Voilà. Donc ça sera refait au moment où je ferai la carte et je ferai le câblage sur mesure dessus. Mais pour l'instant, ça, ça me permet de tester. Voilà. Donc, euh, je sais plus avec qui j'en parlais sur Twitter, mais non, c'est des, re des retours très très légers, franchement, sur cette, euh, sur cette balise. La raison historique est la plus valable des excuses pour les trucs aberrants qu'on fait pour les coupes. <laughs> c'est vrai. C'est exactement vrai. <laughs> mais pourquoi vous faites ça C'est aberrant. Bah ben ouais, mais c'est historique. Ok. Ok, c'est bon. <laughs> Ah non mais comme on n'a pas le temps de tout tester et de tout changer en une année systématiquement, forcément il y a des choses qu'on garde. Euh, bon, ça par contre je vais le changer. Hein. On verra jamais euh, ça dans, dans mon robot. Hein. Pas déconner. C'est encore plus vrai au boulot. Oh, oui, mais c'est parce que là on n'arrive pas à faire bouger les à faire bouger les choses en général dans les... dans... au boulot. Ça c'est encore différent. Euh... Alors, bah ben voilà, du coup, retour sur la balise, euh, retour terminé sur la balise. Euh, il va falloir que je. Où ce qu'il est ben En fait, j'ai pas beaucoup de modifs à faire, hein. j'ai même quasiment pas de modifs à faire. Ah oui, par contre, j'avais besoin de vérifier quelque chose. Parce que je crois que je me suis trompé. Ah, C'est bien ce que je me disais. La balise, elle ne fait pas 100, elle fait 103 mm. Euh, parce que ici mon pliage n'est pas bon, voilà donc je l'avais bien mesuré. Il faut que je modifie mon pliage ici. Bon, on va faire ça tout de suite. Hop, on va activer ça. La fonction de pliage elle est là. Et avant il y avait ça. Alors, du coup, hop, on va se mettre sur 6. Ok et on va changer la fonction de pliage euh, outside alors du coup ça sera inside voilà exact et donc normalement reconstruction et voilà parfait donc ça c'est une modification effectuée parce que quand je l'ai mesuré je me suis rendu compte que ça tombait pas juste j'ai dit mince, c'est quand même très étrange parce que de l'autre côté on tombe bien aligné sur euh, la plaque du dessus, ce qui n'était pas le cas de l'autre côté. Donc là, je me sens beaucoup mieux, c'est beaucoup plus propre. Alors maintenant, bon, là je pourrais pas faire grand chose. Euh, vous partez sur un peu de vision cette année, euh, alors. Officiellement dans le robot euh, non. Euh, officieusement on a commandé une je vois, on a commencé un peu à jouer avec euh, et on aimerait bien expérimenter même si on l'utilise pas. Euh, si on n'a pas le temps de l'utiliser, c'est pas grave. Mais on aimerait bien quand même la mettre dans le robot euh, et récupérer des infos, voir un peu comment ça se passe. C'est, je pense vraiment l'année où il faut pouvoir tester ces choses-là. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est très compliqué pour nous cette année parce que on a un membre qui est pas du tout là pendant la coupe, euh, donc qui va forcément s'investir un petit peu moins. Euh, on en a deux qui sont encore en étude toute l'année et euh, qui sont loin, qui sont sur Belfort. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué encore cette année pour nous. Donc on va faire des choses simples. Et la vision, bah, si on va arriver à intégrer 2-3 trucs, bah, ce sera très cool. Sinon c'est pas trop grave. Voilà. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas la je vois, je vais vous montrer. C'est une toute petite caméra qui ressemble à, enfin, qui est vraiment très petite hein, quand vous regardez hein, la taille de la, la bestiole. Et, euh, et qui intègre euh, euh, alors, je suis pas sur le bon à chaque fois. Ah voilà, je vois Hardware. Pourquoi cauchemar, euh... Alf, tu l'as tu l'as testé toi déjà alors Nous pour l'instant on est très content. Hein. avec plus de un membre au moins. Euh, tu sais que l'année dernière ça a été chaud, ça a été hyper chaud. Euh, genre le premier jour on était trois, et le reste de la coupe on était deux <laughs> parce que justement celui qui n'est pas là cette année a dû repartir à un autre événement qui se déroule forcément au même moment que la coupe. Et il euh, y a eu un moment de flottement où on s'est rendu compte que potentiellement euh, on était euh, en, en finale à un point. Euh, bon finalement ça s'est pas fait. Mais si on avait été en finale, eh ben, eh ben, j'aurais été dans la merde parce que j'étais tout seul à ce moment-là. Euh, j'aurais été, été vraiment, coincé, quoi. Euh, donc, enfin, euh, ça, ça, ça aurait, ça ça aurait failli plus se passer comme ça, quoi. On, aurait, on se serait arrangé. Euh, on aurait décalé le départ de quelqu'un, etc. Mais ça aurait été très, très compliqué. Euh, elle nous a planté magnifiquement cette année. Ah mince Par une illustration pour l'expérience. Ah mince ah bah, écoute, désolé de t'entendre ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais Parce que c'est une autre équipe qui nous l'a conseillé, qui était très con... enfin, qui en était très contente. Et c'est depuis que j'en parle, il y a d'autres personnes qui essayent, qui sont plutôt contents de cette caméra. Euh, maintenant, euh, peut-être que le projet est relativement jeune et donc du coup il y a des choses des fois qui se passent. Et, euh... Par contre, j'ai vu qu'elle était sensible un peu au, au seuil d'alimentation. Bon. Quand je dis planter c'est que son nuart a cramé pour une raison identifiée. Ah ah, ah c'est dommage effectivement. C'est un peu dommage. Ouais ouais ah oui oui en plus euh... Ouais, du coup c'est tu peux l'utiliser encore en USB quoi. Raison historique pour nous du moins. <laughs> Non mais on pensera à ça, mais d'où l'intérêt de la prendre cette année, d'en faire quelque chose, mais pas que ce soit euh, ben, problématique si jamais ça tombe en panne, et ben peut-être euh, de l'utiliser l'année prochaine, ou pas, hein, peut-être de changer et de passer sur, sur autre chose. Euh, Romain qui dit concernant la vision les arucos sur les robots c'est vraiment chouette comme évolution du règlement bah écoute merci euh, ça c'est c'est bien on a essayé de porter ça au, à la commission et et c'est bien que ce soit ce soit passé euh, on verra le retour hein. c'est un essai hein, cette année euh, mais euh, je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui l'utiliseront euh, en tout cas, voilà. Je pense que c'était bien qu'on passe par là. Et je pense que ça, ça fait partie des évolutions de cette année qui sont bien. Euh, pour la coupe, t'as notamment ça, euh, le fait que la vision soit un peu plus poussée euh, et mise en avant. Euh, et côté trophée, c'est que enfin on soit passé sur du, euh, sur du, euh, comment dire, radio guidé euh, et plus philo guidé, ce qui était quand même, euh, ben. Bah, assez assez vieux quoi et qui n'avait plus lieu d'être depuis euh, depuis super longtemps donc euh, non bah, je, je verrai bien par contre enfin euh, je suis assez euh, euh, étonné mais euh, positivement parce que il y a très peu de retours sur le site euh, sur le forum du sur le sur le, à propos du règlement donc je suis enfin euh, voilà euh, je suis assez content euh, que ça se soit bien passé même si j'ai pas passé autant de temps que j'aurais voulu, mais mais d'autres se sont chargés de faire un boulot super sur la sur sur la coupe et puis sur le sur l'écriture du règlement et puis je suis assez content que ça se soit bien passé donc c'était une expérience rigolote. Alors bon ben écoutez. Généralement, des fois, ça se passe moins bien sur les lives, donc euh, je passe plus de temps <laughs> à, à modifier des trucs. Et là, euh, ça s'est bien passé. Donc, du coup, euh, qu'est-ce qu'on va faire là Qu'est-ce qu'on va faire Eh ben, on va intégrer. Parce que là, du coup, il faut que je modifie la plaque inférieure dans mon sous-ensemble. Ah, j'ai été trop vite. Donc, ma partie sup, il faut que je la change. Et donc, changeons-la, tant qu'à faire. Euh, ça me permettra de pouvoir l'intégrer directement sur le robot assez rapidement. Alors, par contre, j'ai un petit doute. Ça, ça fait 84. Ok. Très bien. Et je ne suis pas sûr que ces deux Zozola fassent 84. Ça fait 84. Pff, tellement facile. On voit pas l'écran. Ah oui, désolé. Hop, il est revenu. Euh. Donc, je vais intégrer ma balise dessus, hein, tant qu'à faire. Vu que globalement, euh... globalement, j'en suis content. Hop Alors, par contre, carte devant ou carte derrière Carte derrière. Oui, carte derrière. clac clac voilà super oh ah <laughs> alors ça s'est pas assemblé ça s'est pas assemblé ça s'est pas assemblé ça non plus ça non plus <laughs> donc je crois que j'ai un problème sur mes assemblages. Ah oui, parce que j'ai fait ça de manière très sale. OK, il faut que je regarde ça. <laughs> Là, ça tombe bien, heureusement que j'assemble le truc euh, ce soir. Bon, c'est pas trop grave. En effet, la commission c'est cool mais très chrono... Ah ouais, j'ai bah, pensé quelque chose parce que Alex, il a passé un temps euh, infini sur le règlement euh, sur l'écriture, sur euh, le peaufinage, sur la modélisation. T'as fait un travail euh, de ouf euh, cette année sur le règlement, mec. Euh, et, et ouais malheureusement moi j'avais pas du tout euh, ni prévu ni la possibilité de passer autant de temps mais euh, mes chapeaux quoi chapeau alors underground underground oh mon dieu ah ouais bah oui euh, ok ah tiens ça c'est rigolo ça il inverse le ground, ok. Hop. Ground. Ouais, parce que pour faire mon proto, j'ai j'ai, mis à la terre, enfin, j'ai bloqué l'ensemble des, euh, des systèmes, mais c'était pas forcément une bonne idée. Celui-là, je vais laisser glander. Et donc du coup, maintenant... Euh, Alors, ah non. Ah non, ça va. Non, ça va. Ok. Alors par contre, je pas combien c'est. Ok, je suis à 5. Et eh ben on va l'assembler, on va tout assembler. C'est parti. Petit travail. Sympatoche. Hop Voilà, tac tac tac. Nickel. Alors ça c'est bon. Ça par contre c'est pas bon. Ça c'est bon. Ça ça tourne donc c'est bon. Ça c'est pas bon. Ah c'est marrant, il y en a certains qui sont assemblés et pas d'autres. Allez-y. Hop Voilà, bon, ça va l'assemblage sous fusion, c'est... Quand même pas la misère quand on a compris comment ça marche. C'est quand même relativement efficace. Ah Sauf quand il vous fait des petits. des petites fourberies comme ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi. Euh, normalement, mon sous-ensemble, il est assemblé C'est pas gentil, ça. Non. Voilà. Non plus. Bah, qu'est-ce qui se passe ah, Ça c'est rigolo ça. C'est exactement les mêmes. C'est censé être exactement les mêmes. Ah non c'est un miroir. Mmh. On va les supprimer. Alors ouais. Quand... Alors la... par contre la fonction de miroir de fusion est étonnamment foutue. Euh, Je n'ai pas encore bien compris pourquoi ils ont... Pourquoi c'est un problème, non. comme vous voulez. OK. Copie. Paste. Ouais. Et pourquoi... Ah, voilà Il passe des choses étranges. Mm -hmm. Pourquoi je ne vais pas me les copier. Cause par style. Ouais, ouais. Ouais, attendez, est-ce que j'ai mon clavier qui est bien mis Oui. Voilà. Ah, bah voilà. Quand même. Pourquoi ça a pris tant de temps pourquoi cette vis-là part, euh, part dans les choux Ah oui, oula Est -ce que Vous avez vu ce que je viens de voir Et encore, quand j'y étais, c'était 80 km plus péage. Euh... Ah, c'était physique à l'époque où tu... Enfin, t'es obligé de te déplacer pour faire... Ah non, mais Ah ouais mais ça, Là, par contre, c'est pas possible, là. Voilà, tous les mercredis, enfin, euh, si on avait dû euh, se déplacer à chaque fois, je pense que ça aurait été vraiment un problème. Pourquoi ils avaient fait ça C'est un peu dommage. Je veux dire, Internet ça existait au euh, moment <laughs> où. C'est pas si vieux quand même. <laughs> ok. Euh... Oh, comment je vais pour assembler ça oh truanderie, allez hop truanderie trianderie 2000 très bien hop voilà on avance mais ouais c'est sale quand même d'avoir fait des, des réunions euh, physiques euh, pour euh, pour ça parce que euh, bah, ça limite quand même vachement le nombre de personnes qui peuvent s'impliquer quoi c'est pas du tout ça euh, adrien euh, c'est ça euh, et c'est un peu con de fixer la carte avec ça puisque c'est pas comme ça que ça se passe hop on va plutôt utiliser cette fixation là Voilà. Bon, normalement, je tire sur des trucs. Il se passe plus rien. <laughs> Technique du prof de CAO. Monsieur, monsieur, j'ai fini. Hop, le mec, prends un truc, tire, tout explose. Ah voilà, t'as pas fini. <laughs> Attention. Ah. Bon. Pourquoi Bah. Bon. Quand même là. J'ai oublié de... de dégronder quelque chose. Pourquoi que ça marche pour là le... Oh là. là. Et si le Skype était possible, j'ai vite réalisé qu'il fallait sur place pour X. Ouais, c'est un peu changé. Après, euh, honnêtement, de toute façon, à partir du moment où tu fais du, euh, de la visioconférence pour prendre des décisions sur des trucs comme ça, euh, à plusieurs, c'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué. Toi, tu l'avais fait en quelle année Oui, ouais. C'était le tout début où ils avaient intégré des équipes dans le dans le comment dans la commission. Ouais, ça remarche. Parfait. Bon bah c'est tout joli, hein. Ah, ok, d'accord. Ah, mais c'est pour ça, du coup. Attends, 2014, quand est-ce qu'ils ont commencé à intégrer Ah, ouais, d'accord, ok, ça se passait comme ça aussi euh, à l'époque. D'accord. Tu devais ne pas être dans une équipe pour. Je euh, ici, banque en 2012. Mais attends, en 2000... Ah non, c'était en 2015 que je t'ai interviewé, pas en 2014. Non, c'était en 2016, pardon. 2016 avec les euh, Beachbots. Donc c'est en 2016. Bah ouais, effectivement, je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Tout, 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 toutes, toutes ces années se confondent dans ma tête. Eh, hey, on va pouvoir ouvrir le robot. La base Hollande de 2020 est intégrée la partie supérieure alors euh, sous ensemble blam comment mettre à jour les deux robots d'un coup c'est bon <laughs> c'est quand même assez content d'avoir D'accord. Avoir deux robots pareils, même si en fait par rapport au règlement de cette année, on n'en est pas forcément, enfin n'est pas forcément gagnant. Euh, vu que en fait nos, nos robots pourraient être plus gros. Donc on, à, à avoir fait quelque chose de très fin par rapport à l'année dernière, et ben du coup, euh, on se retrouve à avoir avec à avoir un robot qui est deux robots qui ne sont pas forcément optimisés par rapport au règlement. Enfin Ça laissera plus de place pour les actionneurs. Non. Oui. Est-ce que ça va marcher ça Yes. Yes. Oui Ouais, non, moi je savais pas du tout que c'était GPS à la base. C'est rigolo. Ça c'est le carter tiède, bouton. Ah ouais. D'accord, ok. Compliqué en fait ton histoire. Oh, le mat balise est gigantesque par rapport au robot. J'ai toujours un doute. C'est bien sens hein, cette année. Moi j'ai tellement été euh, habitué à 80. Peut voir des mâts de sang de... de côté ça me. ça me fait tout bizarre. Quand même Remesurer, mais c'est. Ouais, 100. Ouais, bah, il 100 parce qu'en fait le plaque fait 120. Euh, 80 non parce qu'en fait, euh, moi mon... comment dire le robot est plus bas. Euh, par contre je dois avoir I euh, quand tu veux logiciel. Merci. Ouais 428. Euh, les vis elles dépassent là. Oui mais ce sera des vis chanfreinées monsieur. Là j'avais pas... J'ai pas mis de vis chanfreinées, mais ce sera des vis à tête chanfreinée. Ça fait 103 de large avec les têtes non 103 non non gère pas. ah si peut-être Ah si 1030 ah mais elle coule pas <laughs> non 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 ça tout ça ce sera des vis chanfreinées c'est juste que là comme j'ai pas eu le temps de de chanfreiner les, euh, les plaques euh, j'ai euh, je les ai pas j'ai et je les intègre pas à la modélisation en général euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait, après je tire des plans de, de ça euh, pour pouvoir après générer mes PDF et les envoyer à la découpe laser. Le mm, process chez nous pour, euh, pour découper le laser est vraiment chiant. On essaye de regarder pour simplifier ça parce que c'est vraiment, vraiment, enfin, c'est pas chiant, ça va quoi, ça se fait, mais... mais quand on a beaucoup à faire et des modifs à faire, c'est vraiment très, très compliqué des fois. Là, par exemple, tu vois, là au-dessus, j'ai mis. Des vis à tête bombée, mais ça, là, hein, ça, ça, ça c'est chanfreiné, ça. À terme. Pareil ici, euh, et par contre, pas là. Là, là on s'en fout. Oui, bah c'est ça. tu ferais, je, Moi, je fraise. Euh, ah, tu fraises tes plaques. Tu fraises tes plaques. Ah, tu les découpes pas au laser, toi Alors. Euh, tant qu'on y est, il y a quand même des modifs à faire parce que les robots ils ont été un petit peu ils ont un peu évolué il euh, y a ces deux plaques là euh, IHM et euh, IHM ah IHM IHM Carter droite Carter gauche ouais qui sont en fait c'est l'inverse bah d'ailleurs <laughs> je viens de me rendre compte que le Carter droite a été mis voilà donc euh, d'où 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 cette problématique donc euh, il faut que je, je supprime euh, le carter gauche et le carter droit et que je les remette dans le bon ordre, dans le bon sens. Surtout il faut que je euh, j'ai 2-3 modifs à faire là-dedans. Parce que j'avais un trou en trou ici. Alors on sait à haut, puis à l'export sur un DXF de la face arrière, je le symétrise, on voit les coups laser. Ah oui, bon, en fait, tu fais quasiment... Ah, euh... on ne passe pas juste par le DXF, quoi. On passe par un, par un PDF et un plan. Sous fusion, c'est plus simple. Euh, parce que comme ça, le plan se met à jour quand on fait les mises à jour euh, du, euh, de la pièce. Euh, vous restez en pas à pas pour la propulsion Ya. Yeah. On reste en pas à pas. On va juste rajouter ici décodeur. Mais sinon, oui, on reste en pas à pas. Alors... Euh, Qu'est-ce que j'avais pensé à faire là-dessus? Il y a des choses à faire, mais globalement ça va me prendre un certain temps de le faire ce soir, donc je pense que je ne vais pas me lancer dedans. Je vais juste vous expliquer, comme ça vous le saurez pour la suite. Des choses. Alors ici, c'est notre système pour pouvoir mettre notre tirette magnétique. Et il s'est avéré que euh, si l'année, euh, pas l'année dernière mais l'année d'avant, euh, c'était quand même relativement efficace ce système-là. Euh, cette année, comme nos plaques étaient légèrement euh, plus épaisses, et eh ben en fait euh, notre aimant ne euh, collait pas suffisamment et euh, il fallait vraiment être euh, précautionneux quand on posait l'aimant de dessus. En fait, il, il s'aimantait pas à la pièce métallique qu'on avait mise dedans euh, parce que si jamais je vous montre comment c'est foutu ce sera plus simple si j'enlève le carter voilà qu'à l'intérieur ici il y avait une rondelle euh, métallique et euh, l'épaisseur était trop importante et donc du coup il n'y avait pas d'aimantation donc ça fonctionnait mais c'était quand même relativement fragile donc là il faut que je modifie ce système là très légèrement pour pouvoir avoir quelque chose de plus fiable et puis ça il faut que je les redécoupe au laser puisqu'en fait comme nos deux robots sont identiques pour pouvoir les différencier euh, et ben, euh, on avait mis des couleurs qui correspondaient aux couleurs des plaques euh, de, des, des zones de départ euh, sur, la, sur, la, sur la, comment dire sur le, sur le terrain de l'année dernière. Euh, bah là, en fait, on va juste changer, euh, changer la, la couleur des plaques quoi. Euh, Alors, il y a des trucs qui arrivent. Pas... Vous avez opté pour les batteries perceuses Et ben, écoute. J'étais prêt à me lancer, et effectivement, comme dit euh, Alf, et eh ben c'est interdit 105, euh, et ça a été mis sur le forum. Ça, et alors là, je suis euh, très étonné parce que l'année dernière, il y a des euh, équipes euh, qui sont passées avec les, euh, les, les, perceuses, euh, les batteries de perceuses, sans problème. On leur a pas demandé de mettre de sac, justement, on avait discuté avec eux. Et, euh, et moi j'avais trouvé l'idée euh, vraiment cool. Il y avait des gens qui voulaient se lancer là-dedans et je pense que euh, le retour sur le forum euh, les a un peu refroidis. Quoi. Euh, donc euh, bah non, du coup je vais garder mes batteries. Euh, mieux vaut la solution de PM Robotics, ouais. Euh, oui, à la limite, ouais. Finalement c'est le truc le plus simple. Il faut pouvoir tourner en 12 volts par contre. Euh, et comme nous euh, on n'est pas en 12 volts, bah... Et eh ben, euh, à cause des moteurs pas à pas, eh ben du coup, euh, on va rester sur nos batteries lipo, quoi, finalement. Ah, pas officiellement, normalement. J'ai débattu pendant deux heures pour que ce ne soit pas publié. Ah, oui, mais par contre, il y a quand même quelque chose sur le forum, attends. Ah, moi, bon, j'aimerais bien, hein, parce que, franchement, ça me. Euh, ça m'embête énormément. Euh... A débattu de ça en commission Bah oui, parce que moi, je trouve ça complètement con. Euh, les batteries, elles sont pas ouvertes. Enfin, il y a vraiment pas... Euh... Où est-ce que je suis, moi, là Non, je suis pas au bon endroit. Je suis perdu. Je parle en même temps, du coup, c'est difficile. Euh... Merde. Bah, où est-ce que c'est C'est dans les anciens Ah, c'est dans les anciens Tu, saurais... tu sais où c'est, toi euh... Deux séries de 12 ça fait... Oui, mais ça prend plus de place, euh, Audran. <laughs> tu, tu sais où c'est, euh, Audran, du coup, l'info sur le forum, comme quoi c'était... Euh, euh, si je vais dans les archives... Ah, dans le bêta, peut-être. Euh, Energy Source. Voilà. Is it allowed to use a modified commercial drill battery Attends. For your question, you can use the dual battery, but as it isn't the original usage, you will need a lipo bag because there is a uh, un in the case according to the rule. The station is correct. Donc voilà. Donc c'est mort. Donc voilà. Alors, par contre, j'ai pas tout lu. Qu'est-ce qu'il disait On des spécifiques batteries avec no safety chips. Euh... Ah oui, bah tiens, c'est audace. <laughs> But on other models, same goes for Makita guitar. This... Ouais, voilà. Bah pour moi, euh, du coup. Euh moi, pour moi, ça c'était euh, valide, hein. c'était pas mal, mais du coup, euh, ben, c'est pas ça qui a été retenu. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que du coup, ce qui a été. Euh, ben, je sais pas quand est-ce que tu en as discuté, mais en tout cas, voilà, jeudi 10 octobre, moi j'ai vu ça arriver, j'ai fait Ah, bon, bah tant pis, <laughs> c'est passé, c'est passé parfois au boulot, on a un de nos produits qui, qui utilise de telles batteries. Ouais, moi je trouvais ça cool. Tu, tu stacks la batterie dessus euh, sur ton robot, c'est vachement plus sécur, je trouve. En plus, comme tu l'as dit, il y en a certaines qui intègrent des, euh, des, 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 des chips de sécurité, donc euh, quand même, quoi. Euh, c est, c est, enfin, comparé à ce que, la manière dont des fois sont utilisés les, les lipos, même avec des sacs. Franchement euh, bref. Ouais, pour, pour des fortes puissances, on est d'accord. Non mais du coup, dommage. Oui, il faut avec protection. Oui oui. Bah voilà. Non mais ça on est d'accord, hein. limite il a juste la limite c'était de dire prouver qu'il y a une protection à l'intérieur, ok, ben bah voilà, on le prouve, boum, c'est bon, euh, c'est validé, on sait qu'il y a une certaine liste de batteries qui fonctionnent bien et qui sont autorisées, voilà, il euh, n'y a pas de, de souci, comme ce qui se fait avec les, les batteries de Lego d'ailleurs. Hein. Ah, un ligne. C'est quoi ça Qu'est-ce que tu nous as envoyé, Odon <laughs> Qu'est-ce que c'est que ces outils là Outils de sertissage hydraulique Mon dieu Ah, attends, mais c'est ah, marrant ça C'est des équipements qui sont pas euh, Makita mais qui utilisent des batteries Makita. Ah, c'est marrant ça Ok, ok, et t'as pas eu de problème avec celle-là Si, t'as eu des problèmes. J'ai pas trop suivi. Parce que les batteries de Makita, elles ont un chip normalement Ou pas toutes euh, Je me suis perdu. Hop. Qu'est-ce que tu disais Les BL1830. Ok, il y a certaines qui, qui ont. Et il y en a certaines qui l'ont pas. Ok, d'accord. Bon. Aucun problème avec les Makita. Ok, ouais, c'est bien ce que j'avais euh, compris. L'équipe qu'on a... C'était le RC Club Toulonnais qui, qui utilisait ça. Et... et ils n'ont pas, pas eu de soucis, quoi. Des batteries moins chères Ouais, toujours moins chères. faut lui dire d'acheter les batteries en, en Amérique. Elles coûtent moins cher, c'est les mêmes, elles sont moins chères. Ouais t'as vu la... <laughs> j'ai pas regardé les specs mais ça, <laughs> c'est la violence quoi. Ah page en construction, oh là là, là. oh la loose. Dommage. Ça, ça a l'air beau bon, hein. Bref, c'est là qu'on a vu la nécessité de protection. Ah mon dieu, il y, y, y a du son. Electrohydraulique. My god. Non mais en plus, ce qui était intéressant, c'était que les euh, les, Makita, euh, les batteries de Makita, c'était du 18 volts. Et nous, en 18 volts, on tourne, quoi. Et ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. -moi, je vais avancer. Drôle comme outil. Hein. <laughs> ok. Beaux outils. Bon, bref. Oh. C'est pas vrai. Ça c'est rigolo. Mon Dieu, 120 kN dans ta main. <laughs> ok, non, bah du coup, euh, voilà, il y a eu une petite réponse, euh, Alex. Euh, donc... Euh, je... Donc déception si ça reste comme ça. En tout cas, c'était dans, dans la partie. Euh, euh, dans la partie bêta, je sais pas si, si la, la question se reposera euh, autre part. Anyway. Alors du coup il y a... Je reviens sur mon, sur mon robot. Donc il y a ça qu'il va falloir mo modifier. Euh, ça, ça restera comme ça. Euh, inverser ces deux trucs là, il y a la trappe batterie du coup, parce qu'on va garder nos batteries. Voilà, euh, qui sera un peu modifié. Euh, alors, le support batterie va être gardé, par contre, la trappe va être euh, agrandie parce que du coup, euh, si j'enlève le devant, non, voilà. Euh, C'était une trappe magnétique, mais le souci c'est que, avec les passages de câbles ici, les aimants là ils gênaient énormément euh, le passage de la batterie, donc tout ça ça va être remonté a priori. Euh, en tout cas, c'est l'idée pour pouvoir avoir une ouverture qui soit euh, juste euh, la plus grande possible pour insérer la batterie, qu'on ait moins de mal pour la, pour la suite. Donc, ce sera une modif également à faire, et après, bah, en fait. On va partir sur l'intégration de roue codeuse euh, ici. On va profiter du fait qu'on est encore bon dans euh, le périmètre euh, global du robot pour pouvoir rajouter un petit peu de gras là sur le côté du robot. Donc ça, ça sera parfait. Et ça, ça sera... comme ça, on aura notre base roulante euh, 2019 mis à jour pour 2020. Donc, ça a bien commencé avec le mode balise. Hop, non. Regarder très bien la partie marrante, c'est le lot de barres d'alus qui en dans mon bureau après les nombreuses tests. <laughs> euh, bah écoutez, voilà les amis. Donc, hop. résumé du live nous avons un circuit de pompe qui est fonctionnel. Euh, qui est très simple euh, et qui va nous permettre de réduire grandement euh, bah, en fait, euh, la taille que prenait le, le circuit de pilotage euh, de, de nos pompes et de notre V dans notre robot. Et du coup, ça c'est quand même vraiment très très chouette. Euh, donc je remettrai un jour les fichiers sur le GitHub pour euh, avoir en fait, la dernière mise à jour avec la carte simple. Je vais refaire une commande. Pour euh, bah, la, la carte mise à jour avec les LED je ne sais pas si euh, je ferai véritablement une version avec le capteur de courant euh, dedans. Euh, en tout cas, ce n'était pas mon, mon but pour le moment euh, sur, cette, euh, sur, ce, sur, ce, sur cette carte. Mais peut-être que si j'ai le temps, euh, j'essaierai de l'intégrer. En tout cas, ça serait, euh, ça serait très intéressant. Ensuite, on a vu euh, ben, écoutez, les. Retour euh, sur euh, le mat balise, euh, sur globalement le fait que, bah, en fait, moi j'en suis plutôt, plutôt très content pour le moment. Euh, il n'a pas encore tourné, mais bon, euh, mécaniquement, j'en suis content. Euh, Qu'il y a 2-3 modifs à faire, mais que globalement, pas euh, c'est pas la fin du monde. Euh, et que bah, maintenant, il va falloir passer à la fabrication également de la carte électronique. Du coup, je ferai peut-être la même commande pour ces cartes-là et la carte électronique. Euh, de la balise mais je reviendrai peut-être de sur la carte électronique euh, dans un petit live là, cette semaine avant euh, de, bah, de, de de la commander euh, et puis euh, et bah, on a fait notre l'intégration du euh, comment dire du mode balise sur le robot euh, donc voilà donc le, le mode balise lui maintenant il est intégré sur le robot euh, sur la modélisation du robot et il n'y a plus qu'à euh, voilà pour, pour aller à la suite euh, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce live euh, moi je vais m'arrêter là donc euh, ce que je vais faire c'est que comme d'habitude ce live il est euh, disponible euh, en rediffusion sur, euh, sur Twitch euh, il sera, euh, il a été enregistré, je vérifie, il est enregistré, super. Euh, donc je vais le mettre euh, dès ce soir euh, sur, euh, sur YouTube, comme ça euh, les gens qui sont plutôt sur YouTube pourront, euh, vous pourrez le voir, voilà, pas de souci. Donc euh, n'hésitez pas il à... ah, y a une petite question avant la fin. Euh, fin octobre, donc je suis euh, pas encore à la bourre, mais quand même un petit peu. <laughs> <laughs> c'est à dire qu'il faut quand même que je fasse ça. J'étais prévu que je, je publie aujourd'hui, mais j'ai eu un petit contretemps. Non, mais euh, ça, ça sera cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Euh, la seule chose que vous n'aurez pas dans le règlement des joutes, c'est. Euh, due tomorrow, ouais, c'est ça. <laughs> euh, c'est. Pardon. Euh, c'est. Euh, comment c'est le terrain pour le suivi de ligne voilà. C'est la seule chose que vous n'aurez pas sinon euh, tout, le reste, euh, tout le reste sera bon euh, le règlement il est quasiment terminé euh, il me reste un peu de mise en page et de voilà c'est pas, pas grand chose mais il faut que je le publie euh, absolument donc c'est euh, en cours donc euh, cette semaine plus tard la semaine prochaine euh, voilà désolé <laughs> euh, donc ouais le live je le publie sur youtube euh, là juste après donc comme ça vous l'avez Euh... Si jamais vous souhaitez être au courant ben, de ce que je publie, n'hésitez pas à, à ben, me suivre sur, sur Twitch, euh, également sur YouTube, et puis euh, enfin sur Twitter, parce que c'est là généralement que je publie euh, quand je vais faire un live et euh, si jamais je vais, euh, je, vais, je, vais, je vais streamer le soir. Donc voilà, c'est donc peut-être le, le, le plus important. Et je sais pas si c'est fonctionnel. Mais j'ai mis... Alors moi je ne le vois plus. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous voyez un lien euh, de tips su... en dessous du live Je vais regarder si ça marche. Parce que j'ai fait ça très rapidement tout à l'heure. Alors. Sur la version... Ouais, il y a un lien type qui est dégueulasse. <laughs> euh, si jamais je mets mon bureau. Euh, ouais qui est ici voilà donc je l'ai mis euh, vraiment euh, à l'arrache euh, il faut que je, je refasse le, le design etc juste pour voir que si ça si ça fonctionnait euh, mais du coup a priori euh, ça fonctionne euh, donc l'idée c'est que je vais mettre ça un petit peu en avant euh, voilà donc l'idée c'est que si jamais vous voulez euh, faire un petit don sur, euh, euh, sur la chaîne bah, c'est possible via ce, ce moyen là et euh, l'idée c'est que euh, ça n'arrive pas euh, chez moi, c'est donc ça arrive euh, sur mon association, donc les Caribous, euh, donc sur l'équipe de, de, qui participe à, aux compétitions de robotique. Euh, et l'idée c'est que vous deviez un peu sponsor entre guillemets euh, de l'équipe euh, et que à titre de sponsoring aussi, euh, si jamais vous voulez soutenir l'équipe, que vous soyez, euh, votre, vous, vous ayez votre nom sur euh, nos robots. Euh, de la coupe mais également de la Maker Fight euh, sur le site, sur le support de com bref euh, que, vous, que vous soyez présent avec nous euh, et puis bah, nous, ça nous ça nous aide un petit peu parce que en fait euh, c'est euh, une partie euh, euh, importante le sponsoring pour faire fonctionner l'équipe et, euh, et c'est vrai que pour ceux qui savent, ce euh, que ça représente, les robots, ça, ça coûte un petit peu. Donc, si jamais vous voulez nous soutenir, moi, mais alors plus largement euh, l'équipe, bah c'est possible via ce, ce truc-là. Mais je referai un peu le design, c'est un, un peu pourri pour le moment, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça fonctionne, donc c'est plutôt cool. En tout cas, euh, à qui le dis-tu Ouais. Et puis en plus, alors, euh, je, et puis je, je terminerai là-dessus quand même, parce que euh, euh, autant euh, faire du sponsor, avoir du sponsoring quand on est dans une école c'est entre guillemets moins compliqué parce qu'il y a l'aura de l'école vis-à-vis des, des gros sponsors. Quand on sort de ça et qu'on est une, une association un peu tout seul, euh, avoir du sponsoring pour tourner, ça devient très 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 compliqué. Euh, et, euh, et en fait, moi, ça fait euh, ça fait plusieurs. Euh, en fait, depuis qu'on est on est sorti de l'école, on, on finance les robots quasiment sur sur nos fonds propres. Quoi. Donc euh, c'est vraiment c'est vraiment très compliqué. Il euh, y a eu de temps en temps des donations avec certains sponsors en direct ou euh, l'année dernière où on a été énormément sponsorisé. C'était vraiment la première année où ça nous arrivait. C'était plutôt bah, c'était bien le bienvenu, euh, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment un, gros, un gros souci, quoi. Donc, euh, donc voilà. Bon, euh, J'arrête là, donc si jamais vous voulez nous soutenir, bah, c'est possible via ce biais-là. Euh, et puis... Euh, et puis, puis, puis c'est tout. <laughs> euh, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente nuit. Euh, merci d'avoir été avec moi euh, sur ce stream. Donc on se retrouve bientôt, alors je sais pas encore... Euh, quand, euh, mais ça sera à mon avis très bientôt, donc suivez-moi sur, sur Twitter si vous voulez en savoir plus. Euh, je sais pas sur quoi on va travailler, parce que je ne pensais pas, par exemple, streamer ce soir sur euh, la carte électronique, donc ça va être un petit peu. Euh, voilà, euh, on verra bien. Euh, surprise. En tout cas, ce sera encore pour la Coupe de France de Robotique, je pense, parce que Maker Fight, on, on l'a mis un petit peu de côté euh, pour le moment, ça va revenir dans quelques semaines, ne vous inquiétez pas. Euh, mais du coup, ça sera très clairement sur, sur la Coupe de France de Robotique. Et puis, ben écoutez, euh, excellente nuit à tous, euh, merci encore une fois, et puis, ben, euh, à bientôt sur la chaîne de Barbatronique. Salut